nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous de la communauté Saint-Michel. Et bonjour aussi à tous les membres de la communauté invisible qui nous suivent par la télévision. Alors, des bonnes nouvelles, c'est qu'il fait soleil. Et on a nuit si peu cette semaine, on ne se plaindra pas. La bonne nouvelle, c'est aussi que le printemps est proche. Alors, pour ceux qui nous suivent par la télévision, pour les autres, il y a un petit changement à l'horaire des messes télévisées de Saint-Michel à Villieu-Thoron. Alors, à partir donc de cette semaine, c'est le lundi à 18h et le mercredi à 10h, toujours sur le canal MaTV. Alors, Villieu-Thoron, c'est le canal 9. Une autre bonne nouvelle aussi, c'est que c'est la semaine de l'action bénévole. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles parmi vous. Le bénévolat, c'est gratuit. C'est du temps que l'on donne par amour, par joie, par le désir de faire quelque chose d'utile à notre société. Bravo à tous les bénévoles. Ils sont des centaines dans notre région, alors qui rendent notre milieu un peu plus humain. Alors, à vous tous, joie et paix. En ressuscitant Jésus, Dieu le Père triomphe de la mort et de la méchanceté humaine. Cette victoire touche chacun et chacune de nous et nous l'accueillons dans la foi. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous par amour, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné à tes bourreaux sur la croix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de nous accompagner et de nous relever sur les chemins de la vie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Les oiseaux sont revenus, les enfants chantent parmi nous. Le printemps s'en vient, non seulement pour la terre, mais aussi pour l'Église. Rendons gloire à Dieu. Thank you.
Recueillons-nous maintenant dans le silence de nos cœurs. Et prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais nos forces et notre jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres comparaissaient devant le grand conseil. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre, avec les apôtres, répondit alors, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On interdit alors aux apôtres, après les avoir fouettés, de parler au nom de Jésus. Puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes et subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en nuit de danse, mes habits funèbres en parures de joie. Je t'exalte. Mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur.
Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sous mes lèvres et demeure en mon cœur à jamais. Jésus se manifesta aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie « jumeau », Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque et tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit encore, « Suis-moi. »
acclamons Jésus qui nous parle ce matin. C'est émouvant cet évangile quand on se met dans la peau de Pierre et des autres disciples. C'est sans doute l'une des plus belles pages du Nouveau Testament. Ce chapitre 21e de l'Évangile de Jean est, avec le récit de l'expérience des disciples d'Emmaüs chez Saint-Luc, la page la plus humaine, la plus belle, parmi celles qui nous racontent l'événement pascal. On dirait un tableau de Rembrandt. Jean nous fait passer des ténèbres à la lumière, du découragement à l'espérance, du deuil inavoué au réconfort de la présence de Jésus avec nous. Il nous fait passer de la culpabilité à cette déclaration d'amour et cette mission que Jésus confie à Pierre. Désormais, la mort n'est plus le dernier mot. C'est l'amour qui gagne et qui ouvre l'avenir. L'Évangile de Jean se termine sur une porte ouverte, sur un chemin qui commence. Suis-moi. Et c'est à chacun de nous ce matin que cette parole est adressée. Suis-moi. Cette page évoque aussi pour nous le portrait du climat difficile qui régnait dans les communautés chrétiennes de la troisième génération vers la fin du premier siècle. On n'est pas les premiers à avoir de la difficulté à vivre notre foi dans le monde actuel. On y trouve donc les ténèbres de la persécution de l'époque, mais aussi du découragement des croyants pour qui le retour du Christ se fait attendre, des croyants souvent rejetés, méprisés, ridiculisés, tristes aussi de certaines déformations de la foi répandues par des sectes mal éclairées. Ceux qui ont pêché toute la nuit sans rien prendre dans la Galilée où ils se sont réfugiés semblent marqués par la fatigue et le sentiment d'inutilité de leurs efforts. Pourtant, Jésus ressuscité, le Seigneur, n'est pas loin. Il apparaît discret, mais tout proche, dans la lumière du jour qui lève. Les enfants, vous n'auriez pas un peu de poisson? Le plus drôle, c'est que Jésus avait déjà du poisson. Voyez que la miséricorde, ça peut se teinter d'humour. Alors, ce matin, ne cherchons pas le Christ dans la gloire resplendissante et triomphale, nous dit saint Jean. Le Christ est là, tout près de nous, comme un ami, comme un guide sur nos rivages. Tant qu'il y a des humains à sauver et qu'il y a du mal à combattre, il n'est pas loin. Il est source de lumière comme une aube qui se lève, comme ce beau matin d'avril. Il est là comme un compagnon de route et de mission aussi. Et il nous offre des moments de paix et d'intimité avec lui. Ce matin, et c'est la bonne nouvelle, c'est à nous qu'il dit « Venez déjeuner ». Mais cette page d'Évangile est aussi le reflet de nos propres expériences de déception, de découragement, de ténèbres parfois, particulièrement dans la vie des couples et des familles. La société dans laquelle nous vivons est souvent difficile et parfois même hostile pour les familles. Elle multiplie les pièges et les tentations. L'austérité des gouvernements, les conditions de travail, les provocations des médias, l'égocentrisme de bien des individus ne rendent pas la vie facile aux familles. L'idéal de départ, le mariage par exemple, les attentes déçues, la durée de la vie peuvent aussi décourager des familles de n'être pas conformes aux rêves et aussi à l'idéal traditionnellement proposé par la foi chrétienne. Dans ce temps-là, ce qu'on a besoin, ce ne sont pas des leçons de morale, ni des condamnations ou des exclusions, mais de la bonté, de la compréhension, une main tendue, une présence qui est là sur le rivage de nos vies pour nous accompagner, nous guider. Mais justement, et c'est la bonne nouvelle ce matin, Dieu n'est pas loin de nous et de nos familles. Comme jadis sur le rivage du lac de Galilée, Jésus se tient proche de son Église, il se tient proche des familles.
Il est là au milieu de nous, source de paix, de joie et de miséricorde. Il est toujours notre bon pasteur. À preuve, il a pourvu notre Église d'un pape exceptionnel pour notre temps. Le pape François, qui depuis plus de 3 ans conduit l'Église catholique comme un bon pasteur. Pendant 2 ans, il a consulté les évêques du monde entier et les communautés chrétiennes sur les défis de la famille et sur la manière de vivre l'idéal évangélique aujourd'hui, en tenant compte de la fragilité humaine, des échecs possibles et des nouvelles situations. Vendredi, le pape François, et c'est la bonne nouvelle dont parlait Clovis tout à l'heure, a publié une lettre remarquable aux catholiques du monde. Une lettre écrite dans un langage accessible à tous, que tous vous pouvez lire. Ce ne sont pas des grandes considérations théologiques ou philosophiques, c'est un langage d'un pasteur qui parle à son monde. La joie de l'amour, Amoris Laetitia, c'est le titre de cette lettre qui contient 9 chapitres et qui aborde toutes les questions reliées aux défis des familles d'aujourd'hui et à la morale chrétienne. Le pape François ne parle pas d'une famille idéale et parfaite, mais d'une famille qui cherche à faire de son mieux pour suivre le Christ malgré les accidents de la vie. Comme Jésus, le pape François refuse de juger, de condamner ou d'exclure. Il apporte des encouragements et des expressions de réconfort et de miséricorde. Il demande aux pasteurs de ne pas imposer des principes, mais d'accompagner les gens à partir de là où ils sont. Déjà, il y a 30-40 ans, Mgr Lebel, notre ancien évêque, parlait aussi dans ces termes, mais à ce moment-là, c'était peut-être pas le langage dominant dans l'Église. Le pape François est témoin que Dieu est miséricorde, qu'il est le médecin des âmes et des cœurs, et non le juge qui sanctionne. Et le Christ accueille tous ceux qui viennent à lui, même avec leurs échecs et leurs souffrances. Personne n'est exclu de sa bonté. Je ne vous résumerai pas aujourd'hui cette lettre. Elle est assez longue. C'est une bonne lecture de chevet. Si vous parcourez la toile informatique, vous allez trouver facilement le texte intégral et très bientôt aussi l'édition papier sera disponible. Et ne vous fiez pas au titre « Trompeur des journaux » qui sont souvent réducteurs. Ce livre sera un beau cadeau à se faire pour un couple ou pour une famille qui veut grandir spirituellement. C'est un bel objet de partage aussi entre les générations de votre famille, dans votre groupe d'amis, dans votre groupe spirituel. Aux divorcés remariés, aux couples qui vivent hors mariage et aux homosexuels, le pape ne dit pas, on entend ça des fois dans les réceptions de noces, « Vous êtes dans le péché ». Non, le pape ne dit pas « Vous n'avez pas de place avec nous ». Il dit plutôt comme le Christ « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui avez de la misère à réussir vos amours ». Le pape invite les pasteurs de l'Église à se comporter comme des médecins et non comme des juges. Et puis les situations sont tellement complexes aujourd'hui à travers le monde, à travers les cultures, à travers les continents, pour imposer à tous un modèle unique. L'important, nous dit le pape, c'est d'accompagner et de guider les gens vers le Christ. Ce que le Christ dit à Pierre, « Paix mes agneaux, paix mes brebis », cela ne se fait pas à coups de bâton. Une phrase me paraît bien résumer le message du pape François lorsqu'il dit « Les lois morales ne doivent pas devenir des pierres lancées à la vie des personnes ». Il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière vivent dans une situation de péché mortel. Car personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Le pape dit aussi que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect. Toutes sortes de questions sont abordées dans la lettre du pape François, de l'amour et du mariage, bien sûr, mais aussi, par exemple, de l'absence des enfants, la pauvreté des familles, l'amour à l'âge de la retraite ou du veuvage, l'éducation des enfants, la violence familiale, les abus sexuels, l'éducation affective, etc.
Cette lettre résume la pensée des évêques du monde qui se sont réunis lors de deux synodes sur la famille tenus à Rome en 2014 et 2015. Et d'ailleurs, notre évêque, Mgr Noël Simard, a participé à celui de 2015 comme représentant des évêques canadiens. Le pape appelle tous les ministres et pasteurs de l'Église à se faire compagnons de miséricorde. La doctrine n'est pas changée, mais la manière de la proposer l'est. Ce n'est plus un carcan imposé, ce n'est plus une boîte dans laquelle, un moule dans lequel on doit faire entrer tout le monde de gré ou de force. Hein? C'est un chemin où avancer en regardant et en suivant le Christ à la mesure de nos humbles possibilités et, si possible aussi, avec l'aide d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice spirituelle. Je vous recommande spécialement la lecture du quatrième chapitre, qui est un beau commentaire, un commentaire inspirant de l'hymne à l'amour de saint Paul, un texte qu'on lit souvent au mariage. Hein? L'amour rend service, l'amour prend patience. C'est une belle méditation à partager en couple ou en famille, une belle lecture spirituelle réconfortante. Ce matin, Jésus nous dit à tous, « Venez déjeuner. » Venez accueillir du pain pour refaire vos forces. Venez accueillir une parole pour affermir vos valeurs et votre idéal de vie. Venez manger du pain pour nourrir vos amours qui ne sont pas toujours faciles. Le Christ est là pour ensuite reprendre la route avec nous et nous soutenir dans nos efforts pour mieux aimer. Il nous dit, venez déjeuner. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité s'est manifesté à ses disciples dans le concret de leur vie. Demandons-lui de se faire connaître et aimer dans le monde d'aujourd'hui. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour que tous ceux et celles qui exercent des ministres dans l'Église témoignent de l'Évangile avec joie et compassion. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour que les dirigeants des pays en guerre trouvent une paix durable et protègent les plus démunis, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les gens qui désespèrent et dont la confiance a été trompée, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les jeunes qui ont vécu des déceptions et qui cherchent les chemins d'un avenir prometteur, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour que nous devenions une communauté imprégnée de l'Esprit de Pâques et heureuse de croire, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui es venu au-devant de tes disciples déçus à cause d'une pêche infructueuse, viens aujourd'hui au secours de toutes les personnes qui vivent dans l'attente d'un jour meilleur.
Nous t'en prions, toi qui es le vivant, pour les siècles des siècles. Ce matin, la messe est offerte pour le repos de l'âme de Régent Tanguay, de Léopold Denis, de Micheline Laporte-Coudé, de Yves Lefebvre, de Danielle Rosa Proto, dont c'est le premier anniversaire de décès, de Marie-Rose Chouinard et d'Éphraïm Ponce. Nous portons aussi dans nos prières deux personnes décédées récemment de notre paroisse, André Castonguay et Jean Roberge. Avec toutes les personnes, toutes les familles en deuil, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus spécialement encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Très-Haut.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, avec notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux que nous aimons, ceux qui nous sont confiés aussi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invité par Jésus à déjeuner avec lui ce matin, confions au Père toutes nos intentions, mais aussi la mission qu'il nous donne la force de l'accomplir avec joie. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde, à nos familles. Pardonne-nous nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres au soir de Pâques, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yes. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons la paix de Dieu. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez. » Puis il prend le pain et le leur donne. Heureux sommes-nous ce matin d'être invités à déjeuner avec le Christ, notre Sauveur, lui qui vient enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
un rappel. Les billets du souper spaghetti vous sont offerts au presbytère et auprès des marguilliers, mais aussi par Léo, là, qui s'en va porter son calice, qui sera à l'arrière et qui vous offrira ses billets. Fait qu'on vous remercie d'encourager cette activité annuelle au profit de notre paroisse. Cette semaine sera celle de l'action bénévole. La paroisse en profite pour remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie à cette communauté. Une célébration avec onction des malades aura lieu le dimanche, le 24 avril à 14h à l'église Saint-Michel. Pour information supplémentaire, vous pouvez appeler au bureau de la paroisse. Ce dimanche, du 10 avril, vous êtes invité par la Société Saint-Jean-Baptiste à participer à un brunch annuel au sol de l'église Très-Sainte-Trinité de 10h à 13h. Veuillez prendre note que mardi, le 12 avril, la messe aura lieu au Jardin Vaudreuil. Comme le disait tantôt Richard, l'horaire de diffusion des messes au Canal Def a changé. C'est maintenant le lundi à 18h et le mercredi à 10h. Et pour Cogeco, ça n'a pas changé, c'est pareil. Il y a aussi le repas de l'évêque, qui est mercredi le 20 avril. Les billets sont en vente au presbytère. Merci. Je vous invite à prendre la prière finale que vous trouvez à la page 29 dans le Prions en Église. Seigneur Jésus, sur ta parole, Pierre et les disciples ont à nouveau jeté le filet. Puis ils t'ont reconnu lorsque tu as pris le pain. Donne-nous de savoir ainsi te faire confiance. Malgré les difficultés, c'est toi qui conduis notre vie et la vie de nos communautés. À la suite de Pierre, nous te disons encore, « Je t'aime, Seigneur, tu le sais ». Et nous te rendons grâce pour la vie que tu nous offres aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à toute l'équipe. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Merci. Merci.